Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Nice contre Monaco. C'est un match qui a lieu ce dimanche 27 octobre 2024 à 17h pour le compte de la 9 neuvième journée du Championnat de France de football de Ligue 1, saison 2024-2025. Alors Nice, c'est le 8 huitième du classement qui reçoit Monaco. Le deuxième, c'est un derby également. Et donc dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1, ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues par donc Nice et Monaco. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc... Au Classement Nice est 8 ème de Ligue 1 avec 10 points en 8 matchs, 2 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 16 buts pour 8 contre, plus 8 de différence de but. Effectivement, ils ont un bon goal à verrage, beaucoup de buts marqués, mais parce qu'ils ont mis un 8-0 contre Saint-Etienne, ils sont dans le ventre mou du classement pour l'instant. Monaco est 2 ème de Ligue 1, mais Execo, carrément avec le PSG. Ils ont 20 points en 8 matchs, 6 victoires de nul, aucune défaite, 14 buts marqués, 4 encaissés, plus 10 de différence de but. Ils sont 2 juste au goal à verrage. Ils réalisent un très très bon début de saison, les monégasques, et donc ça va être très intéressant de voir ce que ça va. À donner à Nice surtout que c'est un derby alors au niveau des buteurs pour Nice on a Guessant 4 buts ensuite Moukoko 2 buts avec Alisho 2 buts Abdi Diop et Boudaoui 1 but pour Monaco on a Balogun 3 buts, Kerer, Kamara, Benseguir et Zakaria avec 2 buts pour les meilleurs passeurs pour Nice on a Close 2 passes décisives Boudaoui, Diop, Guessant à la borne une passe et pour Monaco Benseguir et Mbolo 2 passes décisives avec Liouche, Henrique et Kamara une passe les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, ni nice, 16 matchs joués, 3 victoires, 8 nuls, 5 défaites, 27 buts marqués, 23 encaissés, plus 4 de différence de buts. Depuis qu'ils ont gagné 8-0 contre saint ça va pas trop, ils n'ont plus gagné du tout. Ce que je dis toujours, il vaut mieux gagner 8 fois 1-0 qu'une fois 8-0. Depuis, ils ont fait 6 matchs sans victoire avec 2 défaites et 4 nuls. Et cette semaine, ce jeudi, ils ont joué à ferengue et ils ont perdu 1-0 à l'extérieur en C3. Euh, donc il peut y avoir aussi de la fatigue parce que mercredi, euh, Monaco aura joué euh, deux jours avant le mardi. Donc, il y a deux jours de récupération en plus pour les monégasques. Et je pense que Nice pourrait être fatigué. Si Monaco met du rythme, ça va être grandement à leur avantage. Surtout que Nice, ils sont pas en confiance en ce moment. Alors que Monaco, c'est le contraire. 17 matchs joués cette saison 10 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 33 buts marqués, 15 encaissés, plus 18 de différence de buts. Mais surtout, Monaco, en match officiel, ils sont invaincus cette saison. et Pourtant, ils ont eu Barcelone. Hein. Ils ont joué 3 matchs de, de Ligue des Champions. C'est quand même très, 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 très fort, Monaco. Cette saison, le seul match qu'ils ont perdu, c'est en amical. Contre le Génois, ils ont perdu 2-1. Hein. Depuis, bah écoutez, voilà. Alors effectivement, il y a trois matchs nuls aussi ça, au milieu de ça. Ça fait un peu tâche hein, parce qu'ils ont 9, 8 victoires et trois matchs nuls sur les 11 matchs officiels. Mais c'est du très costaud. À domicile, Nice est invaincu. Ah ça, c'est intéressant. Malgré tout, malgré ces mauvais résultats en ce moment, ils ont fait un partout contre le PSG chez eux. Et chez eux, c'est 5 nuls et une victoire. La victoire contre Saint-Étienne, 8-0. Monaco à l'extérieur est invaincu aussi. C'est quand même 5 victoires et 2 nuls. Alors en championnat, on va en prendre que le championnat et Ligue des Champions. C'est 3 victoires et 1 nul au Dynamo Zagreb où ils étaient menés 2-0 et ils sont revenus à 2 buts partout. Alors ce qui peut jouer vraiment, c'est peut-être la fatigue. Le fait d'avoir joué 2 jours de récupération en moins pour Nice, ça peut jouer surtout qu'ils étaient à l'extérieur et que Monaco a joué à domicile. Et puis l'effectif aussi, euh, l'effectif de Monaco me paraît plus costaud que l'effectif de Nice. Donc je verrais bien une victoire de Monaco à Nice, ce qui casserait un peu l'invincibilité euh, de Nice à domicile. Je verrais bien un 2-1 pour Monaco. Après attention, c'est un derby. Hein. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Nice, on aurait du 3-4-3, gardien, Bulka, défense Mendy, Bombito, Abdelmomen, Mieux terrain close, Rosario, Boudawi, Abdi, attaquant, Bouanani, Guessan et Boga. Et pour Monaco, on aurait du 4-2-3-1 et gardien Majeki. Défense Vanderson, Kierer, Singo, Kayo et Enrique. Mieux terrain défensif Zakaria, Kamara, Mieux offensif Elié, Minamino, Golowin, Bensegir, Attaquant Mbolo ou Ili, Nikena. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 27 octobre 2024 à 17h pour le match de la 9e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Nice, le 8ème du classement, reçoit Monaco le deuxième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo